Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager la box challenge du mois de février de Majam. C'est parti! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Valérie, je suis autodidacte en couture et aussi en loisirs créatifs. Alors comme je l'ai dit, aujourd'hui je vais vous détailler la box Majam. C'est un abonnement que vous pouvez retrouver sur le site internet de Majam. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos puisque je ne suis pas non plus parrainée par la communauté Majam, tout simplement. Voilà, je partage mon avis et vous présente ce que j'ai reçu. Alors ce mois de février c'était une box challenge, donc un mois sur deux il y a une box challenge et l'autre mois c'est une box un petit peu plus pour les débutantes, donc c'est une box créative je pense que ça s'appelle. Alors pour ce mois-ci elle avait choisi de coudre un joli pull, un pull en maille. Donc voici le modèle du pull. Donc il est assez cintré et puis après il y a des boutonnières ici avec des petits boutons et finalement vous allez voir la couleur, elle est vraiment très très sympa. Alors vous allez retrouver, je vais vous montrer quelques images, voilà, donc hop, voici ce que ça donne. Donc la couleur elle est un peu fuchsia, enfin un peu beaucoup fuchsia plutôt. Elle est très très belle comme couleur, je trouve que ça match très très bien avec le pantalon Roby qu'elle a mis en dessous. Et il y a une paire de petits boutons, voilà ici, hop, des petits boutons bien sympas hein, au bord des manches. Voilà. Alors pour cette box, que dire de plus, il faut utiliser un peu la surjetteuse, utiliser bien entendu la machine à coudre pour les boutonnières. Donc le challenge c'est de construire les boutonnières. Alors dans cette box, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le livret d'explications, où vous avez aussi les explications du choix du tissu, comment l'entretenir, et puis quelques petites astuces pour pouvoir coudre les boutons et tout un détail bien détaillé, pardon, tout un livret bien détaillé de comment coudre son pull. Alors il va avoir une vidéo qui va être mise en ligne je pense demain, à partir de demain. Donc quand on reçoit la box, elle est envoyée vers le 23 du mois et vers le 10 du mois suivant, elle met en ligne une vidéo explicative pour coudre, pour vous montrer comment coudre le patron. Alors nous avons bien entendu la mercerie avec... Donc c'est de la mercerie, c'est du Guterman, hein, c'est du très très bon fil, toujours de la même couleur en général que le tissu. Nous avons du coup les boutons. Alors, donc, nous avons une série de 8 boutons comme je vous ai montré sur la photo, c'est pour ça que je voulais vous les montrer. Voilà. Et le fameux tissu. Ah si, bien entendu, vous avez le patron. Alors patron, il est téléchargeable gratuitement, bien sûr, si vous êtes abonné sur son site internet. Donc, vous avez le PDF du patron et des explications aussi, si vous n'avez pas envie de sortir, de décalquer votre patron. Alors le tissu, voici comment on le reçoit. Alors le métrage n'est pas indiqué, voilà, on a normalement juste assez de métrage pour le projet. Alors moi je fais confiance et je n'ai pas mesuré combien on reçoit. Donc c'est un tissu de très bonne qualité. C'est une maille. Hein, regardez. Voilà. Donc c'est du stretch. Hop, et voilà. Alors, je pense que bon, c'est une couleur qui va m'aller. Hein. En tout cas. Voilà, je trouve que c'est toujours bien coupé, on n'a pas de souci de ce côté-là. Donc voici l'envers du tissu, l'envers n'est pas ajouré, enfin ajouré, voilà, on voit un peu, ça c'est l'endroit. Pour moi, il est de très très bonne qualité, c'est bon, c'est pas de la laine, hein, ça c'est normal. Je pense que ça doit être du polyester, enfin je sais pas, bref, c'est indiqué dans le carnet, mais je ne l'ai pas encore vraiment lu.
Je pense que ça va faire un chouette projet que je vous partagerai le mois prochain avec mes cousettes du mois de février ou du mois de mars plutôt. Hein, ouais, voilà. Alors moi j'ai commencé à le coudre dans un autre tissu pour être sûre que je ne me trompe pas dans ce tissu là. J'essaye de faire une espèce de toile, bon, sachant que normalement les toiles je les porte quand même aussi. Bon, c'est un tissu excusez-moi, c'est un tissu pas très joli sur quoi je me suis avancée, voilà, sur un truc kaki, mais bon, ça ira très très bien pour une toile. Donc je n'ai pas fini, j'attends la vidéo de demain parce que je suis un peu coincée sur les boutonnières, voilà. Je pense que j'ai dû faire une petite erreur, bref, ouais, c'est pas rien de grave, c'est pour ça que je n'ai pas continué. Donc c'est un abonnement, vous avez différents tarifs aussi, donc c'est pour ça que je ne vous dis pas le tarif, je préfère que vous alliez voir sur le site internet, parce qu'en fonction de l'abonnement que vous prenez, vous allez payer un tarif différent et en fonction de la taille que vous faites aussi, voilà, il peut y avoir une box grande taille comme une box taille moyenne à small, voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à mettre un j'aime et pourquoi pas un commentaire, et en fait aussi je te répondrai. Voilà, je te souhaite une très très bonne journée ou soirée, je sais pas quand tu vas regarder, et je te dis à une prochaine fois. Bye bye.